Salut tout le monde, c'est Zophile. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Crusader Kings 2 avec notre méga campagne de l'Empire Byzantin. Donc, maintenant qu'on a enfin cette revendication sur Bosra, qu'on attend depuis super longtemps, je vais vérifier si je peux leur déclarer la guerre à eux. Au pire, on avait fait quoi la dernière fois? On avait pris ça, ouais. Ou au pire, je prendrais ça. C'est dans le grand livre, exactement. Alors, oula, je crois que je suis appelé un peu. Ah, voilà, État indépendant. Armée. Oh, ça y est, je suis quand même passé 12e. Bon, je pense qu'on peut leur déclarer la guerre. Hein? Est-ce qu'ils sont en guerre? Parce que ça m'arrangerait beaucoup. Ça m'arrange. Mais alors, beaucoup. Oula, non, pas du tout. Alors, prouve-moi comment. Ah, pour le prestige, d'accord. Bon. Merde, non. Ah. Oh là, je suis bête. Oh, je suis bête. Il faut d'abord lui déclarer la guerre. Revendiquer Bosra. Ah, j'ai pas toutes les revendications. Je peux revendiquer Hedjaz. Bosra. Ça y est. Marché. Ah, il y a des gens sur le territoire. Comment on fait? Organisons un peu ça. Eux sont pas dans une bonne posture. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous tous, c'est-à-dire, ça c'est bien. Et le reste. Pareil. Vous, évidemment, je vous mène en bateau, au sens propre du terme. Gentiment. Hébron a été converti à la foi orthodoxe. C'est bien. C'est très bien même. Mais j'aimerais, dans un premier temps, ne pas avoir de musulmans sur mon territoire. Mon territoire doit être le rêve d'Éric Zemmour. Là, c'est pas ma France sans islam, là, c'est. Mon empire byzantin sans islam, voilà. Nous ne sommes pas encore assez puissants. On va d'abord les battre eux. Non mais. Elle est pas là! Bande d'inconscients! Ah, quoique. Je suis en guerre contre Pi. Ah non! C'est une troupe pire, hein, d'accord. Ouais, c'est ça, casse-toi. Casse-toi, wesh. Dégage, sors de ma zone. Mais Phil, t'es pas crédible quand tu dis ça. Exactement. Tu as tout à fait raison. Je n'en doute pas. Oh, mais attends. Allez, non. Non, j'ai vu des 6K aller par là-bas.
C'est pas un truc que je vais tenter, je préfère regrouper mon armée d'abord. Je sais pas eux ce qu'ils essaient de faire, mais moi... Oui, Sébastianos. Qui est Sébastianos? C'est mon fils. Si on peut le cacher... Assure la sécurité contre des complots. Combien j'ai de fils? Je pense que je vais envoyer mon fils se cacher. Parce que ça veut dire qu'il est pas en très bonne sécurité. Eux là, ils étaient où les 12K, je sais pas. Aucune idée. Je pense qu'on peut les envoyer. On va les envoyer eux là-bas. Rovistan le gros. Ah mais Rovistan le gros c'est le... C'est le... Non, on va les envoyer là pour qu'ils soient bons. Rovistan le gros c'est le... Le roi d'Angleterre. Parfait. Dès qu'on a un bon paquet de troupes, on les envoie là-bas. Eux, vous, regardez-les s'enfuir. Ça va être une guerre longue. Une guerre longue, mais qui va en valoir le coup. Ah, dépêchez-vous d'arriver, vous, parce que eux, ils me font peur. Quand même en guerre contre tout ça. Ah ouais. Ouais. Donc on va en profiter tant qu'on est plus puissant qu'eux. Et qu'ils ne nous assiègent pas. Mais je sais ce qu'on va faire. On va les battre eux. De toute façon pour le siège ils vont s'en sortir très bien. Pas de crainte à avoir. Il est perse, mais au moins il est orthodoxe. Parce que c'est vrai, on a des... Je l'ai complètement oublié. Ah, j'aurais peut-être pas dû l'envoyer là. Si, ça va. Ah bah oui, j'ai fini le siège de Bosra, bah c'est bien. Oh, je sais. Ça voilà. Et bah alors, on a peur. Et du coup, ils ont pas de malus vu qu'ils sont sur mon territoire. Enfin, pas de bonus. On va attendre que eux, ils ont fini de combattre. Si on va se rapprocher de leur capitale. Par contre, ils prennent cher. Ça va, on les bat. Et c'est déjà très bien. Oh non, je sais. Capacité de ravitaillement. Ça c'est un truc que j'ai découvert dans EU4 aussi.
C'est-à-dire en gros que la zone est trop pauvre. Bon, vous savez quoi? Eux, on va continuer de les envoyer là-haut. Eux, ils ont pas de tête de mort, donc ça veut dire ils sont en train de régénérer. Leur sort est déjà réglé. Moi, ça me dérange pas de rester sur mon territoire, hein, parce que moi, je régène, donc. Ah, par contre, ça c'est moins bon, ça. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais continuer à faire des sièges. J'espère que j'arriverai avant eux. Cette bataille, c'est celle que j'ai gagnée. Juste on va les envoyer là. On a deux batailles superposées. Ah non, c'est bon, ils l'ont gagnée. Ils ont quand même beaucoup de troupes. Je vais pas prendre le risque. Ah, la garde Vareg, c'est bien. J'aime la garde Vareg. Ha! Il s'attendait pas à tant de renforts. Oups! Oups! Non, non, tu restes ici. Victoire! Quelle est l'armée la plus puissante? Enfin, en meilleur état. Toi, tu vas retourner ici pour te régénérer. On va rester pas loin en fait pour les sièges. Sinon ça va être ingérable. On pourrait peut-être asséger quelques trucs ici. Ça va, on a beaucoup de villes à prendre. Encore deux villes. Oh, ça c'est pas très bon ça. J'en profite juste pour les battre eux hein, parce que ça m'arrange. Donc là la façon dont ils arrivent. Acre a été converti à orthodoxe. Tant mieux, tant mieux. Allez, on va aller là pour se régénérer.
On a vraiment plus beaucoup de troupes. Ça y est, on occupe entièrement. Du coup, eux, je sais pas ce qu'ils font. Diminuer l'autorité de la couronne. Pourquoi elle m'aime pas? Titré. Convoque le titre comté de Constantinople. Ouais, tu convoques le titre d'empereur byzantin, ouais, ton petit est complètement taré. Prends mon or. Shut up and take my money. Boussra est à moi. À moi. Ah, regardez, il s'enfuit déjà. On va laisser se régénérer encore un peu. On va aller attendre jusqu'en... jusqu'à ce qu'ils aient au moins 13k chacun. Au moins. Mais... tout le monde veut... Anisibin. C'est où ça, Anisibin? Ah, ça y est, je l'ai enfin. Cette fameuse revendication. Bon. Là, j'ai une revendication. Est-ce que j'ai une revendication sur ça? Non, j'ai appuyé toutes les revendications, mais j'ai pas de revendication sur ça. C'est... on tab. C'est des villes byzantines, hein, donc. Oh, je sais. On le sort de sa cachette. Quel âge a-t-il? 12 ans. C'est bien. Je vais le marier à un prince du pays le plus puissant du monde. Voilà, qui devrait améliorer la situation. Comme dirait Lord Senteka. C'est tout ce qu'ils ont dans leur famille. Ils ont pas de filles non mariées. Toi par exemple. Ah, elle est déjà mariée. Bah, elle du coup aussi. Ah, même pas. Elle a 12 ans, hein, c'est quand même une grande différence. Je veux dire, quand elle sera adulte. Faisons un petit calcul. Ils sont adultes à 16 ans dans ce jeu. Ça veut dire que dans 4 ans, elle en aura 30. Le Maria di Treviso. Ah non, c'est des fiançailles. Ranger un mariage. Ah ouais. Il est peut-être encore trop jeune. C'est pas grave. Régénérons nos troupes. Allez, encore une fois. Sauve-toi là. Caldé a été converti à la Fort Ox. Bien, ils prennent des initiatives, les habitants. Poursuivons-le jusque dans leur trois. Non, on va rester là, finalement. Eux, ils vont s'enfuir. Vous allez aller là, voilà. On va aller
on va axer notre conquête par là-bas. Enfin, nos attaques plutôt. Regardez-le, il croit pouvoir reprendre Druze. On perd pas beaucoup de troupes. C'est parce que nous sommes si puissants. Ah ouais, c'est vrai, avec tout l'argent qu'on a, on pourrait... On avait construit un château ici. Alors, je sais... Dans le doute que... Oh, j'ai hérité de Belgorod. J'avais même pas remarqué. Donc, dans le doute que les forts sont les mêmes que dans Europa, on va construire des forts un peu partout. Environ dans toutes les places fortes. À commencer par le RP. C'est quoi ? Rome, Alexandrie, Antioche. Pourquoi j'ai pas de trucs pour Jérusalem ? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Où est Antioche ? C'est Tripoli. Comptez dans Antioche. Antioche. Il y a déjà un château. Non. Ah, évêché long. Hop là. Comme ça, on est sûr. J'ai pas de mystique. Ah si. Hop. Mais je peux lui faire faire les deux, non? Recherche des programmes militaires. Ça y est, son opinion s'est améliorée. Cadeau envoyé. Tu es trop foncier, peut-être. Comté de Suili. Hop. Et voilà. Je vais les laisser se régénérer tranquillement. Finalement, j'ai envie de me battre un peu. Chose parce qu'ils sont en guerre contre quelqu'un d'autre aussi. Ah non ? Ah mais ils ont fini leur guerre contre Pise. On va se dépêcher. Parce qu'ils vont ramener toutes leurs troupes. Je les vois déjà arriver. Hop, hop. Il faut améliorer le score de guerre le plus possible. Allez hop. La bataille a été gagnée. Ils vont rapporter le siège. Ah non, c'est bon, 100%. Appuyez nos exigences. Ça y est. Nous avons enfin récupéré quelque chose qui nous permet de relier avec Druze. Enfin. Voilà. Oh, un pacte défensif.
pris ce petit truc, mais... Alors, mauvais type de propriété. Évêché de monstre. Ah ouais, la vidéo est déjà longue. Ça c'est qui? De Trébizond. Et Trébizond, ils ont trop de trucs, hein. Serbie aussi, d'ailleurs. Comté de Bosra. Voilà, ensuite... Ah, évêché de Hanra. Enfin bref. Enfin bref. Je réglerai tout ça off caméra. D'ici là, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. À aimer cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en l'air. À me dire dans les commentaires si vous avez des conseils ou ce que vous en avez pensé. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode suivant. Salut tout le monde.